Il a pris 51. Je suis avec toi, Liam. Oh merde. Il y en a un qui est j'en mort. J'en ai eu un, j'en ai eu un. Il est touché en l'air, là. Ok, j'ai touché. Ah, c'est le mec tout à l'heure. Oh, je l'ai retouché. Ok, il a plus de PV. Nickel, l'autre, j'ai mis l'eau aussi. Non! J'allais la voir, il m'a gelé. C'est bon, c'est bon. Il a un PV, je peux ouvrir un piège. Ouh! J'ai éclaté un peu aussi. Oh, j'ai touché. J'ai retouché. Moi aussi. Ok, il va renaître. Ouais, il va renaître. Mort. Je l'ai fini. En vol. 51 sur celui qu'on vise, non? Ok. Oh monde. Ouais, il y en a plein qui arrivent encore. Oh, j'en ai tué un. Il est en rebirth. Ils ont tous rebirth. Hein, je sais pas. Il est immune maintenant. Mais what? Mais le mec, il est un tuel. Ok, je l'ai tué. C'est bon. Ok. Je le finis, non? Je le finis pas. Il y en a un autre qui va arriver. C'est bon. J'en ai un autre sur moi. Okay. Okay, je suis pas bien là. Ouh. Ah, je suis pas bien. Touché. Première touche. Ah. Je peux pas bouger. Ok, j'en ai tué un autre. Oh là là, le snipe. Il ne manque plus qu'un normalement. Ouais, il est là. Il y en a un autre derrière moi. Première zone. Je suis mort. J'ai touché. Je monte ma touche. Il est en reverse. Sur ta droite, hein. Ça arrive. Ouais, mais mec, je peux rien faire là en fait. Putain, moi j'ai ma touche D. T'as pas fait bump, Ellie, parce que vous êtes pas rentré dans la première zone. J'ai retouché. Mais oh là là, oh là là, mais mec. Tellement touché quoi. Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Spellbreak, sachant que j'ai fait quelques petites games en solo, histoire de monter un petit peu le niveau de mes armes, puisque dans ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, lorsqu'on fait des parties avec un élément, on va monter le niveau de l'élément, ce qui permet de débloquer certains skills qu'on va pouvoir utiliser pour faire notre build au lancement de la partie, et du coup il y a des skills qui m'intéressent parmi plusieurs classes, donc je vais me forcer à jouer certaines classes, voilà, histoire de au moins de monter les skills, même si là en ce moment j'ai envie de jouer un petit peu la glace, histoire de m'entraîner avec. Et j'aime bien le côté déplacement avec aussi. Et bon, la glace, c'est vrai que c'est un petit peu du tout ou rien de mon côté. C'est vrai que des fois, je suis vraiment monstrueux. Je touche tout avec. Et du coup, c'est trop fort. Ça met vraiment masse de dégâts. Et d'autres fois, à l'inverse, je ne touche absolument rien. Et c'est catastrophique. C'est un peu mon problème avec la glace actuellement. Mais justement, j'aimerais m'entraîner un petit peu avec. Mais je ferai ça une fois que j'aurai débloqué tous les skills que je veux. Donc, je vous propose quelques petites games dans cette vidéo. Voilà, avec différents éléments que je vais grind un petit peu donc pour les levels. Voilà. Allez, bah écoutez, c'est parti du coup. Ok. J'ai pas compris où il est parti. Il était en dessous, je crois. Je pense qu'il y a deux joueurs en fait. J'ai vu du feu, de la glace et de la terre. Il y a deux joueurs pour moi. Ouais, j'en ai vu un à droite, un à gauche là. Ok, bon en vrai j'ai eu le drop. J'ai juste laissé le parchemin pour le moment, mais je pourrais le récupérer après au pire. Juste pour l'instant, il faudrait que j'arrive à choper un petit peu de heal. C'est quoi la rune que j'ai? C'est en vol, hein. J'ai pas encore très bien fait avec les logos. Bon, du coup, je pense qu'il n'y a plus rien. À moins qu'il y ait un sous-sol ici. Des fois, on peut descendre plus. Mais il y a eu un mort, là, en fait. Ouais, je vais prendre ça en deuxième. Mais honnêtement, le vent en deuxième, je trouve pas ça très ouf. Le vent en premier pour bien se déplacer et tout, pourquoi pas. Puis même, ça peut faire des dégâts si on a un bon... Ouais, bon, il n'y a rien ici. Hein. J'ai arrêté de perdre du temps. Ça peut faire des bons dégâts en vrai si on a un bon build avec. Mais en arme secondaire, dans tous les cas, c'est pas ouf. Je sais pas si je tente ce que j'ai vu là-bas. Ah, il y a un joueur en plus. Non, ça le fait pas.
Ah non, oh, j'ai annulé, je suis un débile. Il est passé du coup? Ah, il est à droite, il est à gauche, pardon. Même derrière, il a fait pareil. Oh là là, quand on s'envole comme ça, on sait jamais où est-ce qu'il y a les joueurs. Ok, je l'ai vu. Il y a un troisième joueur hein, derrière, on est d'accord? Non? Ah non, peut-être pas. J'avais cru voir un sire qui allait derrière aussi. Et mince! Je sais jamais en fait s'il va s'arrêter en l'air ou pas. Ok, je l'ai mis cher. Oh, dommage que ça touche pas ça par contre. Oh non! Oh, c'est passé à ras de lui hein. Aïe. Je sais pas s'il va me push ou s'il va jouer le heal. Oh, attendez, est-ce qu'il serait pas mort? Non, je le vois derrière, mais il y a du stuff par terre, c'est bizarre. Ah, touché. C'est pas grave, j'en ai un autre pour le suivre. Ça touche bien, ça touche bien. Oui. Oh, le pré-shoot. Oh non. Ah, je me voyais dessus, hein. Il est parti où? Ah, il est là. Ah, dommage. Ah mince, j'ai plus l'envol. On va faire avec ça. Tant pis, je vais aller vers la zone parce que... En plus, j'ai pas de soin. Il y a tellement moyen qu'il meure avec la zone en plus. Il y a vite fait des popos de bouclier à gauche, j'ai vu, mais bon. Je l'entends encore, il est pas loin je crois. C'est pas le même. Je crois que c'est pas le même. Oh mince. Il est monté. Il était là mais j'ai perdu de vue. Je pense que c'est pas le même lui hein. Allez, hop. Il est où le monsieur? Quoi? Ah, il est en bas. Oh, c'était pas loin. C'est vrai que c'est très dur à me toucher quand même. Ah bah. Sauf quand il y a un mec comme moi immobile. Ça fait le débile. Et on va essayer de fuir. Ah hein. Oh non, il y a un joueur là où je vais. Allez, me focus pas, s'il te plaît. Me focus pas, faut que j'arrive à me heal là. Du bouclier, ça j'en trouve. Hein. Mais c'est vrai que niveau stuff, je suis pas ouf hein, encore. Hein. Bah, j'ai. Ouais, je sais pas, j'ai pas loot énormément de choses, mais j'ai quand même loot un petit peu et. J'ai pas eu beaucoup de chance de ce côté-là. Oh, d'huile, nice. Fou. Ok. Bon, ce sera pas suffisant, mais ce sera toujours mieux que rien.
je vais essayer de looter un petit peu les environs tant qu'il y a encore une zone suffisante. Parce que là bientôt... Bah d'ailleurs elle se referme déjà la zone, ouais. Là bientôt la zone elle va être toute petite. Ok, bon au moins je suis full life. Au moins je suis full life, ça c'est bien. Oh. Ça c'est ok. Allez, c'est pas mal. Il faudrait juste que j'ai une meilleure ceinture en fait. Parce que du coup la ceinture, pour rappel, dans le jeu, c'est l'équivalent de l'armure si vous voulez. C'est grâce à ça que je peux avoir une, enfin, plus d'armure. Ah mince. Ah, oh, je suis un bureau, je voulais pas tomber. Parce que là j'ai que des potions d'armure, c'est bien joli mais... De toute façon mon armure elle peut pas remonter à plus de 20. C'était pas loin ça. C'est trop dur de viser loin. Rah, je vous jure. J'essaie de... Oh. De bouger. J'ai pas assez de heal en fait pour prendre un vrai fight. C'est ça la... le truc compliqué. Crash, c'est vraiment pas visé avec ça. Autant des fois je fais des... Je fais vraiment des moves de ouf avec la glace, genre je touche tout et c'est trop fort, autant des fois je loupe tout. Et c'est horrible. Il est ouf. C'est lui en bas? Non. Ah peut-être. Ok, il y en a un autre qui me visait. Oh là là, les fins de game, ça va être tellement tendu. Par contre, je suis peut-être pas si mal si j'arrive à me faire petit. Après, j'aime pas me faire discret, hein. J'aime bien essayer de me fight malgré tout. Même si c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de kills ni rien là. Et que c'est pas évident parce que j'ai pas beaucoup de soins et tout. Mais. Oh là là, il y a tout violet sauf ce qu'il me faut quoi. Ah, remarque, j'ai pas les bottes. Mais bon. Ouais, si je me fais petit, il y a peut-être moyen que. Que je rentre un petit top sympa, mais bon. Mais bon. Ouais, c'est trop dur en fait. J'anticipe d'un côté, mais finalement il y va pas, il va de l'autre. Ah, il y en a un autre qui se fait discret là. Tellement difficile les placements de fin de game généralement. Encore que là, c'est assez calme en soi. Ça touche pas. Il y en a un qui va me back, je sens. Sûr, il y en a un, il est... Oh, j'en ai vu un invisible, là, je crois. Il y en a un qui va... Qui est caché, ça se trouve, dans mon bâtiment. Ça touche un peu, on voit qu'il est pas bien en vie. Oh, je l'ai fini. Oh, le petit coup de snipe qui passe pile quand il faut pour carotter un kill. MDR. Oh, c'est intense la fin. On est plus que deux? Non, on est trois. Ils sont peut-être en train de se heal. Ouais, c'est ça, il se cachait à la troisième là-bas. Oh. Quoi? Mes spells? Ah, je me suis pris un KO là. Ça, il manque juste du bouclier quoi. Vraiment avoir une... Une ceinture comme ça en fin de game, c'est compliqué, hein.
Ok, j'en ai vu un. Ah, il a réussi à m'électrocuter. C'est vrai que c'est fort, hein, le sort, la capacité spéciale de l'électricité, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est tellement cancer, ça va rentrer, hein, j'avoue. Oh, dommage. Oh, le tic de dégâts. Oh là là, je suis mort. Tellement pas bien. Oh, c'était le dernier. Bon, j'ai vraiment joué j'ai vraiment joué comme un enfoiré à la fin par contre, mais en attendant 888 de dégâts, c'est que j'ai quand même pris des fights en réalité. C'est pas dégueu. Après, j'avoue qu'en termes d'élimination, c'était pas ouf, c'était pas la meilleure game au monde. Il y a eu beaucoup de fails aussi, mais il y a eu des petits trucs qui sont rentrés, ça fait quand même plaisir. Et la fin, j'avoue que c'était tellement tendu. On va tenter. Il va y avoir énormément de joueurs. Hein. Le truc, c'est qu'il y avait plein de points de spawn ici, et en plus, il y a plein de drops. Après, j'avoue que si j'arrivais en claimant dès le début, ça mettrait tellement bien. Je pense avant d'aller au drop en fait, faut vraiment jouer je pense le loot au tout début. Je pense le fait d'aller loot tranquillement déjà, mais pas loin des drops. Comme ça on se met bien, on backstab. Alors. Il a été activé là-bas, ouais. Oh, la petite armure qui manquait tout à l'heure. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle va faire du bien, elle? Enfin, j'espère. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire du bien, en tout cas. Rune d'envol, pardon. Ou... Ah oui, c'est le saut, ça. Ah, c'est nul. On prend envol. Hein. Je suis pas très fan, en réalité, de l'envol, même si j'en ai un peu abusé dans la dernière game, surtout à la fin. Je suis pas fan, tant que ça. Ça c'est cool. Ils ont déjà loot ici, ok, je vais essayer de récupérer l'autre. Mais la rune de saut là que j'avais, pour moi c'est vraiment la pire rune à avoir en soi. C'est vraiment la seule que j'aime vraiment pas. En fait toutes les autres ça va. Oh. Rah, il doit avoir les boules, il m'a tellement fail. Oh là là, tout ce qu'il avait en plus. Oh, il avait une terre légendaire. En plus il était terre de base. Oh là là. Il aurait pu mettre tellement cher, lui. C'est là où vous vous dites que dans ce jeu, c'est vrai qu'on fait beaucoup de fails. Mais c'est là où je pense que vous vous rendez compte que, en réalité, le jeu est compliqué. Le jeu, en termes de skill shot, est vraiment très dur. Et c'est pas pour rien. Bah, regardez. Même lui, j'étais à l'arrêt devant lui et il m'a loupé, en fait. Hans, il est où? Et il est sur moi. Mais vous voyez, il était à l'arrêt devant moi. Ah non, il est là. Ok, il est mort. Mais la terre, c'est trop fort. Hein. La terre en légendaire en plus. Mais voilà, ouais, ça fait deux mecs qui sont à l'arrêt, enfin, qui sont en train de me viser à l'arrêt. Et moi, je suis à l'arrêt aussi et qui n'arrivent pas à me toucher. Hein. Mais genre, je bougeais un petit peu, vous voyez, mais juste ce qu'il fallait. Et genre, sur ce jeu, c'est tellement dur, je vous dis, de toucher. Je pense que des joueurs l'ont vraiment testé. En tout cas, au début, c'est dur de s'y faire, je trouve, à ce jeu. Mais c'est stylé du coup. C'est vachement stylé mine de rien. C'est pour ça qu'on voit pas mal de fails surtout. Mais même là, vous voyez, les joueurs, bon, ils n'étaient pas exceptionnels non plus, c'est vrai, mais c'était pas forcément mauvais, même s'ils ont fail un truc qui paraît abusé, en fait, pas forcément. Quoi. En tout cas, je sais que c'est le genre de truc que j'aurais pu fail aussi, quoi. Propulsion 1, toxique. En vrai, je suis pas mal stuff. Hein. Pas mal de potions aussi. En gros, ça permet, c'est ce que je pense. Voilà, hop, plus d'énergie. Petite propulsion, le temps de reprendre l'énergie. On reste en l'air.
en maîtrisant l'air. Et on peut refaire la propulsion. Bon, c'est juste qu'elle se recharge pas tant qu'on touche pas le sol. Mais normalement, j'ai deux charges. Donc, je peux rester assez longtemps en l'air. Il y a un mec derrière moi. On va mettre le mur de feu et on va taper à travers. Si ça touche, ça peut faire du lourd dégâts. Hop, le rocher, parce qu'il est là. Ok, il a vu que j'avais la pierre. Il va faire attention. Il va se mettre à des endroits où je pourrais pas trop l'utiliser. Il a bien joué. J'avais pas... Ah non, c'est moi qui m'a joué plus qu'autre chose, là, par contre. Ok, ça il faut éviter de sauter quand ils mettent cette tornade. Il m'a mis un seul truc quand même. Ah! Je vais mourir, je pense. Oh là là, il reverse. Oh là là! Ouf! Bon, là, il faut pas que je me fasse backstab, hein, par contre. En vrai, il jouait bien. Après, je suis pas ouf non plus, hein. Ça, il joue, mais. Je suis pas ouf non plus, mais il jouait bien quand même. Genre, il a vu que j'avais la terre et vous voyez, il s'est mis de telle manière que je puisse pas trop le toucher avec la terre non plus. Bon, malgré tout, ça fait toujours peur ce bruit quand on récupère ça. J'ai presque envie de reprendre l'envol quand même, hein, pour sécure le truc un peu. Parce l'envol, je suis pas forcément fan pour le PVP et tout, parce que clairement, ça permet pas d'avoir du mouvement et tout ça. Ça permet juste de s'envoler, genre, soit tout en l'air et de timer une attaque, soit tuer tout simplement. Mais j'avoue que du coup pour faire des top 1, ça arrive souvent qu'on se fasse backstab et du coup ça peut être bien pour s'enfuir, ou même si on fail un fight. Ah là là. Bon, après en soi c'était mérité, hein. Il a eu le rebirth, hein. Donc genre le mec, en gros je l'ai tué, et pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est une capacité qu'il a choisi au début, qui fait que la première fois qu'il meurt, enfin qu'il est mis au sol, ok ça je suis au max, bah en gros il revient à la vie. Donc en soi je l'ai tué deux fois quand même, mais je reconnais qu'il était bon quand même. Je savais plus si j'avais la glace ou pas cette partie MDR. Oh, là j'aurais mis le mur de feu. Ah mais il a mis le mur de feu pour moi avant. Ah mais je l'ai pas touché. Je me suis pris des dégâts de moi-même. Bon, cette game, ça fait plaisir parce que je suis un peu plus dans l'agression par rapport à la dernière où j'étais un peu dans le mal aussi niveau stuff et tout. Bon, à l'inverse, si ça se trouve, celle-là, je vais la perdre. C'est vrai qu'à la fin de l'autre, du coup, j'ai joué beaucoup plus sur l'attente. Je suis un peu plus agressif. Ça reste un BR, hein, forcément. Si vous attendez toute votre game, vous vous mettez bien niveau stuff. Ou tuer le dernier et c'est win, quoi. Après, c'est pas le but non plus, mais... Enfin, c'est pas le plus fun à jouer, quoi. Ok, y'a un mec qui arrive. Tellement fort. Je parle de la pierre, hein, je parle pas de moi, hein. Qu'on soit d'accord. Moi je suis pas dingue en vrai sur ce jeu pour l'instant, mais je traîne un petit peu. Mais ouais non, la pierre, c'est ce que je disais justement à un de mes mates récemment. La pierre en vrai c'est quelque chose qui est très fort à bas niveau, parce que justement à notre niveau on n'est pas assez aérien en fait, on n'arrive pas à tenir assez longtemps, à gérer notre stam en fait pour tirer tout en étant dans les airs et tout ça, enfin vous voyez le délire. Je sais pas si je prends pas la TP, non en vrai la TP c'est bien mais pas en fin de game. Ouais, mais voilà, à notre niveau, en vrai, on n'arrive pas bien à gérer la stam. Et c'est, on va dire, 80% des joueurs actuellement, de toute façon. On reste pas assez dans les airs, ce qui fait que, oui, la pierre, c'est trop fort, en fait. C'est trop fort, ça fait trop de dégâts et tout. Mais d'un autre côté, je sais qu'il y a des mecs qui sont giga chauds sur le jeu, qui jouaient à l'alpha et tout. Et ces mecs-là, en fait, la pierre, ça leur fait rien.
m'enfuis un peu parce que il a de la pierre, il fait mal aussi. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que j'ai plus de bouclier. Et là, la fin de game va être tendue. Surtout que là, ça allait jouer à pas grand-chose. C'était risqué comme fight de le continuer. Donc on verra plus tard. Parce que s'il était pierre en main, en gantelet principal... Oh là, il y a du monde là-bas quand même. S'il était pierre en gantelet principal, le problème c'est que lui, il allait se... Il allait régène son bouclier en fait. Oh, j'ai touché. Vraiment. Il allait régène son bouclier en me tapant. Et donc il allait prendre l'avantage sur moi. Ok, il y a un mec qui m'a vu. Il va falloir que je passe par les airs. Ça, c'est vrai que pour la fin de game, hein, c'est un peu cancer, hein, vraiment, mais c'est fort. Il y a un autre mec là, au pire. Hop. Le bombardement. J'ai touché un. Hein. J'ai cru voir du bouclier en bas, mais je pense que j'aurais pas le temps de loot tranquillement. Ça, c'est vrai que c'est tellement cancer. Mais le nombre de personnes que je vois faire ça en fin de zone habituellement. Là, j'avoue, ça fait deux games où je suis un peu le seul à le faire. Tant mieux pour moi d'ailleurs, parce que sinon je pourrais me faire tirer dessus aussi. Bon là en vrai il y a des gens, ils lèvent la tête, ils peuvent me focus aussi, hein, ça arrive. Hein. On est plus que 3. Ok, j'en vois un qui est... que j'ai perdu. C'est vers là-bas, je sais pas où il est. Ah, il est là. C'est chaud en fait les 1v1v1, c'est pour ça que je prends pas de risque parce que déjà j'ai pas de bouclier. Et surtout... Attends... Et surtout en fait si on se fait focus par les deux, c'est chaud. Ah mais y'en a un qui est invisible là. Ah là là, chacun utilise son truc. Y'en a un qui est invisible. Ah non, dommage. Ouais, mince. Je voulais essayer de challenge un des joueurs, mais je voyais pas l'autre qui était au-dessus de moi après. Oh là là. Oh là là. Oh là là, j'ai 17 PV. Ah, mais on est plus que 2. Ah, il est low aussi en vrai, hein. Il y a peut-être moyen. Ah, je sais pas où il est par contre. Ah, il va me tuer. Oh là là, ça joue à rien. Il a plus de PV non plus. Ah, il m'a tué. Deuxième place. Je savais pas où est-ce qu'il était. Je pense qu'il était invisible. Ou alors je l'ai pas vu peut-être. Bon, bah deuxième place, mais vous voyez, 1082 dégâts. En vrai, vous voyez la game d'avant, parce que franchement, celle-là, j'ai quand même... Je me suis pas mal battu, je pense. 1100 dégâts, je pense que c'est quand même très honnête pour une game. Et c'est vrai que l'autre, vous voyez, j'étais à quasiment 900, donc c'était très peu en moins, alors que j'avais l'impression de pas avoir fait grand-chose. C'est que j'avais quand même pris des fights, c'est juste que bah, j'avais pas eu beaucoup de kills. Voilà, 5 kills, ça passe pas mal. Là, ça s'est joué à rien du top 1. Je vous dis, je pense qu'il avait l'invisibilité, hein, il me semble. Ou alors, encore une fois, hein, ça peut être mes yeux, des fois, c'est vrai que je vois pas forcément tout non plus, quand on est en plein dans l'action. Mais un petit top 2 qui fait quand même plaisir, et puis surtout, logiquement, j'ai dû débloquer... Ah non, je suis pas encore passé 6. Ah si, ça y est. Voilà, je suis passé 6, ce qui fait que j'ai débloqué, en fait, le skill Courage, qui crée une barrière, en fait, qui va absorber une source de dégâts avant de se reformer. En gros, ça permet, toutes les minutes, de tanker une attaque. Ce qui est... plutôt pas mal en soi.